Aujourd'hui, il y a deux composantes qui sont capables d'en décider. Les cheminots d'une part, parce que c'est quand même eux qui sont en premier lieu concernés, donc c'est à eux qu'appartient ce choix, et l'autre, évidemment, c'est le gouvernement. C'est lui qui a les clés du camion. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pas d'aller faire la grève pour faire la grève. C'est pas une fin en soi, la grève. C'est un outil. Nous, notre sujet à la CFDT Cheminots, c'est pas, comme on va pouvoir l'entendre très rapidement s'il y a un mouvement de grève, de prendre les gens en otage, ce terme absolument imbuvable au regard de ce qu'ils représentent réellement pour une grande partie de nos concitoyens. C'est pas de priver les gens de mobilité, c'est pas de priver les gens de leur liberté de se déplacer, c'est de porter des revendications pour le bien collectif qu'est le système ferroviaire. Et ça, c'est le gouvernement aujourd'hui qui est capable d'en décider. Ils ont fait des annonces, ils ont choisi une méthode, aujourd'hui on fait le constat que le compte n'y est pas, c'est à eux de pouvoir lever la contrainte en changeant d'orientation, en changeant de discours, en changeant de méthode, pour faire en sorte qu'un mouvement ne soit pas dur, ne soit pas reconductible. C'est eux qui sont en capacité de pouvoir le faire et de pouvoir le décider.